Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est samedi, oui c'est samedi, c'est incroyable. Comme d'habitude, je vais dire bonjour aux personnes qui sont là. La politesse est très importante dans ce monde de brut. Stardust, bonjour. Stardust a des problèmes techniques. Et peut-être que j'en aurai aussi. Yossi est là aussi, bonjour Yossi. Béatrice Tan est avec nous. Luciana est là. Fatima est là, Nassir est avec nous aussi, Louis est là, bonjour, Hillary est là aussi, Victoria Jacques, bonjour Victoria Jacques, ne dort pas. Alors elle n'a pas fait la grasse matinée, que se passe-t-il? Cosmina Bellouf est avec nous, Soukania est là aussi, qui est-ce qu'il y a d'autre? Yessero nous rejoint. Pour l'instant vous n'êtes pas beaucoup, on espère que les gens vont venir, mais c'est samedi, et le samedi, on sait que les gens ne sont pas très courageux quand même. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir et on va commencer tout de suite. Alors, comme chaque jour, souvenez-vous, je vous propose une chanson pour... Victoria Jacques qui dit non, pas aujourd'hui. Oh, c'est pas grave, c'est possible, c'est samedi. Samedi, tout est possible. Julia qui dit, oh là là, j'ai une sensation que le meuf bourguignon a été un succès. Eh bien, peut-être, ça restera le mystère. La chanson du jour. La chanson du jour, comme vous le savez, j'aime bien vous proposer une chanson. Et une chanson d'un artiste vraiment, vraiment très intéressant, à mon avis, qui s'appelle Eddie de Preto. Si vous ne connaissez pas Eddie de Preto, il avait sorti un premier album que j'avais trouvé personnellement formidable. Et la première chanson qu'il avait sortie s'appelait Kid. Mais l'album est vraiment intéressant à mon avis. Et voilà. Donc si vous avez envie de découvrir un nouvel artiste, Eddie de Preto, la chanson c'est Kid. Mais clairement, le premier album est intéressant. Et le deuxième album qui va arriver là, en tout cas j'ai entendu quelques titres, il est pas mal du tout. Voilà, écoutez, et n'oubliez pas s'il vous plaît de cliquer, et maintenant on va commencer les choses sérieuses. Et comme d'habitude, nous commençons avec la question du jour. Yann Arte nous rejoint. Bonjour, Mélissa Madrid est là aussi. Et Luciana qui demande une photo du bœuf bourguignon. Ça n'est pas possible. Bahar, hey, I cannot... you don't understand. Yeah, Bahar, the lesson, in English and in French, will be on Monday. D'accord? Today, it's because it's for advanced level, so it's only in French. But then it means that if you come on Monday, exactly at the same time, it will be in English and in French. D'accord? This is just the way it goes. Sundar nous rejoint. Bonjour. Allez, la question du jour, ça n'est pas une question qui est très, très philosophique. Nadia, bonjour. Regardez, aimez-vous prendre l'avion et pourquoi est-ce que vous aimez prendre l'avion, mais surtout pour quelle raison? Une phrase, s'il vous plaît. Learning Languages nous rejoint. Bonjour, bonjour. N'oublions pas de cliquer sur le like. 100 likes, c'est ce que je voudrais. Pour ce cours, s'il vous plaît, merci. Allez, Aaron nous rejoint. Bonjour Aaron. Monono nous rejoint aussi. Bonjour Monono, ça fait plaisir de vous retrouver. Allez, Manal Sharif nous rejoint aussi. Bonjour, bonjour, participez. La question est simple. Est-ce que vous aimez prendre l'avion? Oui ou non? Mais le plus important, c'est pourquoi? Victoria Jacques, j'ai fait du canard avec une sauce au vin rouge le jeudi, mais les photos ne sont pas bonnes. Oui, alors... Victoria Jacques, c'est ça la frustration. La frustration, c'est que des fois, c'est délicieux.
On prend une photo et c'est pas beau. Et ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, Yacine nous rejoint. Bonjour Yacine, participez s'il vous plaît. Alors, c'est Learning Languages qui commence avec sa phrase et qui nous dit « J'aime prendre l'avion parce que je veux voir mes amis et ma famille. Nous sommes d'accord. » Victoria qui nous dit « Non, mais j'aime voyager, donc je dois prendre des avions. » Eh ben oui, ça, c'est souvent nécessaire. Ou alors le bateau. C'est plus long, mais c'est sympathique aussi. Rob qui nous dit « C'est ma première classe ». Bienvenue Rob, participez et surtout écrivez des belles phrases. Cherylyn qui nous rejoint. Bonjour Cherylyn, Ice Cubes aussi qui arrive. Tachi qui dit « Non, je n'aime pas prendre l'avion parce que j'ai peur ». Luciana qui dit « J'aime prendre l'avion pour visiter des endroits qui sont loin, mais… » T'as trois petits points, qu'est-ce qui se passe Luciana? On doit imaginer la suite. Yacine, ça va très bien, merci. Et vous Yacine, comment allez-vous? Yulia, oui, j'aime bien prendre les avions pour aller le plus loin possible. Dan Walsh qui nous dit « J'ai peur des avions ». Bah oui. Nassir qui dit « J'aime beaucoup prendre l'avion parce que j'adore regarder la Terre d'en haut ». C'est vrai que c'est rigolo. Sauf quand il y a les nuages. Après, on voit peu de choses. Cosmina, oui, j'aime prendre l'avion parce que selon les statistiques, l'avion est plus sûr que la voiture. Ou même rester à la maison. Hein, si je me souviens bien, les statistiques, c'est vous restez à la maison, vous avez beaucoup de chances de mourir. Yossi, j'aime prendre l'avion quand je voyage parce que l'avion raccourcit la route et le temps, et ça c'est vrai. Mélissa Madrid qui nous dit oui, parce que l'avion c'est moins risqué. Denora qui nous dit j'apprécie beaucoup être au-dessus de la Terre. C'est vrai que c'est une sensation sympathique quand même. Ice Cubes qui dit oui, j'aime prendre l'avion, mais c'est pas possible encore. Bah, il faut attendre. Ice Cubes, nous sommes tous dans la même situation. Nous attendons le vaccin et après, yeah, on va partir quelque part. Sundar, oui, j'aime prendre l'avion parce que c'est plus rapide et confortable. Oui. Soukania qui nous dit « Oui, j'aime vraiment prendre l'avion parce que c'est toujours plus rapide pour aller dans des endroits de séjour de vitesse. » Ensuite, Monono qui nous dit « Je n'aime pas l'avion, il n'y a pas le lit. » Alors, il y a le lit, mais ça coûte très cher. L'option lit est très très chère. Manal qui dit oui, j'aime prendre l'avion parce que j'aime les voyages. Eh ben oui. Réfutiel qui nous dit ah, salut Vincent, ben salut Réfutiel ou Goriot. Cherylyn qui nous dit pas particulièrement. La plupart des pays sont loin de l'Australie. Les vols sont donc longs et entraînent un décalage horaire, malheureusement. Tachi qui dit non, je n'aime pas prendre l'avion parce que j'ai peur. C'est vrai que ça fait peur l'avion aussi. Vous Slat, oui, j'aime bien prendre l'avion parce que je peux aller vite à ma destination. Yann Arte qui dit hein, qui est-ce qui Nicolas prend. Non, non, c'est pas Nicolas ça. Ah non, il est trop grand. Mon Nicolas, il est encore un petit peu plus petit que ça. Et c'est mon Nicolas. Alors, Luciana qui dit, d'accord, qui discute avec Ice Cubes et Lynn qui nous dit bonjour. Bonjour, Ali, merci beaucoup. Alors, vous le savez peut-être, j'aime beaucoup l'art de rue parce que j'aime bien marcher dans les villes en général. Et quand je vois des choses intéressantes, eh bien, je prends des photos. Alors là, ça n'est pas moi, mais j'ai trouvé que, eh bien, ça, c'était assez intéressant et assez joli, à mon avis. Mais bon, tout
tout est discutable et c'est pour ça que nous sommes là. Discutons ensemble une phrase pour décrire ou commenter eh bien, cette photo. Allez-y s'il vous plaît. Alors, Bahar, I don't really understand your question, but the idea is that on Monday it will be for beginners. So it will be in English and in French. After that, it will be intermediate on Tuesday, so it's only in French. On Wednesday, it's for advanced, so it's only in French. On Thursday, it's starting again, so it will be for beginners. It will be in French and in English, etc., etc. Just look at the channel, but then think about that and try to remember that on Monday, at the same time, we will have the lesson in English and in French. Ice Cubes, mais Nicolas sera toujours très petit pour moi. Pour toi, tu es son père. Ah ben c'est mon petit loulou. C'est vrai, je le vois grandir, mais ça reste toujours mon petit enfant. Oui, c'est vrai. Alors, c'est Cassandra qui commence et Cassandra nous dit « Eh bien, j'adore l'art de rue ». Albouga nous rejoint. Bonjour Albouga, participez. On est en train de regarder, eh bien, voyez-vous, une photo intéressante. Une photo intéressante et écrivez une petite phrase comme d'habitude, Albouga. « Rien de spécial ». Alors, Julia qui nous dit « J'ai adoré les pirates quand j'étais une enfant, très aventureux et ce genre de gens, eh oui, avec des épées, des sabres et probablement un bandeau sur l'un des deux yeux. » Yossi qui nous dit « Une femme déguisée en corsaire regarde à travers un télescope. » Alors, oui, je ne sais, est-ce que Yossi, vous connaissez la différence entre les corsaires et les pirates? Il y a en France une ville qui s'appelle Saint-Malo. Et Saint-Malo, en fait, était une ville corsaire. Les corsaires, en fait, attaquaient uniquement les ennemis. Pour nous, les ennemis, c'était les Anglais. Voilà, donc ça, c'était les corsaires. Les pirates, eux, ils attaquent tout le monde et ils volent. Alors ensuite, regardons. Luciana qui dit, elle pense, quand je serai grand, je voyagerai autour du monde ou partout dans le monde. Cosmina qui nous dit, la petite fille a l'air d'une révolutionnaire. On dit une petite Che Guevara, jolie, curieuse et pleine d'espoir. Victoria Jacques qui nous dit, c'est une jeune pirate. Eh oui, ah, avec le perroquet. Le perroquet. Monono qui dit, j'adore ça. Hero Bring qui nous dit, hello, bonjour, bonjour. Tachi, la petite fille, essaiera pour voir quelque chose. Eh oui, effectivement, mais je ne sais pas si elle voit quelque chose. Lynn qui nous dit, c'est une photo d'un petit pirate. Hillary qui nous dit, oui, j'aime prendre... Ah, Hillary, rafraîchissez, on n'est pas synchronisé, Hillary. Cherylyn, lorsque l'artiste a été identifié, elle a été simultanément présentée un prix d'art et arrêtée pour vandalisme et encouragement au piratage. Ben ça dépend, il y a des endroits où on peut quand même peindre sur les murs. Denora qui nous dit, grand peintre, j'aime beaucoup l'effort. Ice Cubes qui nous dit, on voit pas le bateau de pirate, mais la petite fille cherche la
terre la plus proche du bateau. Eh ben oui. Et puis elle est aussi avec son nounours, hein, j'ai l'impression. Sundar, je crois qu'elle voit quelque chose de nouveau qui est plus loin d'elle. Ça l'intéresse beaucoup. Apparemment, c'est vrai qu'elle est très très concentrée. Vuslad, c'est une pirate qui cherche un bateau dans le loin pour le voler, le dérober, l'attaquer. Cassandra, la peinture décrit une petite fille pirate sur l'océan qui tente de trouver le moyen d'atteindre la destination. Très bien. Soukanya qui nous dit, la petite fille est en train de découvrir quelque chose. Attention Soukanya, quelque espace chose. C-H-O-S-E de spécial. Mélissa Madrid, je vois une pirate avec son singe qui regarde avec leurs jumelles en essayant de trouver un objectif à attaquer. Très bien. Alors, Hero Bring, we don't speak English during this live. Okay, it's only in French. If you want to use English in that case, it will be on Monday. Monday, at the same time, it will be in English and in French. Voilà, voilà. Yann Arte qui dit, beau travail, j'ai regardé cette peinture. Merci. Alors, le biopic de Dalida, si vous aimez Dalida, cet artiste incontournable, incontournable, une chanteuse incroyable qui a inspiré beaucoup de monde, eh bien, je vous invite à voir ce film un petit peu triste parce que, eh bien, la vie de Dalida n'a malheureusement pas toujours été très très joyeuse, mais elle a fait des chansons incroyables. Allez, écoutez bien, vous savez que, écoutez bien, c'est quelque chose que nous avons commencé il y a quelques jours. J'avais remarqué une petite faiblesse en ce qui concerne la distinction entre deux sons. Le son « est » et le son « est ». Souvenez-vous, « est » et « et ». Je vous ai dit... Tant que vous ferez des erreurs, eh bien, nous continuerons ces exercices. Et pour l'instant, vous faites encore un petit peu d'erreurs, mais principalement au début. Hein. Il y a toujours cette amélioration après, et ça, c'est formidable. On attaque avec le premier. Bien sûr, nous sommes à un niveau avancé. Je ne lis qu'une seule fois. Vous écrivez, s'il vous plaît, ce que vous entendez. N'écrivez pas la lettre, écrivez, s'il vous plaît. Ici, ce sont des verbes. Donc, écrivez la forme complète. Merci beaucoup. Étudiez. Allez-y. Non, excusez-moi, c'était le mauvais bouton. Et ça, c'est pour Victoria Jacques. Et Victoria Jacques, si vous ne l'avez pas entendu, écoutez. Que se passe-t-il, Victoria Jacques? Elle fait des dîners, des déjeuners incroyables. Et là, la première réponse, la première à répondre, et malheureusement, Victoria Jacques, c'est une petite erreur, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Alors ici, eh bien, nous étions à la recherche de celui-ci, le A, étudier, vraiment très très ouvert, Victoria Jacques, pas le fermer, vous avez entendu le fermer, c'est parce que vous venez de vous réveiller, c'est normal. Attention, donc le premier, on va le... Attendez, je vais vous mettre comme d'habitude. Voilà.
Le celui qui clignote, très ouvert, est. D'accord ? Étudiait. Le deuxième, qui clignote maintenant, le B, beaucoup plus fermé, qui descend, étudier. D'accord ? Étudiait le premier, étudier le deuxième. D'accord ? Allez, on y va. Attention. Maintenant, Victoria Jacques, elle va avoir peur. Elle a peur ! Et c'est comme ça qu'on apprend parfois, on apprend par la peur. Méthode discutable. Attention, je ne vais le lire qu'une seule fois. Oser. Allez-y. Et nous savons exactement à qui le pouce s'adresse. Il s'adresse à Victoria Jacques et je dis bravo. Alors ici, regardez, on était à la recherche du deuxième, d'accord ? Comme d'habitude, ici, ER, c'est comme EZ, c'est comme E accent aigu E, E accent aigu S, E accent aigu ES. Tout ça, c'est la même prononciation, c'est le E, d'accord ? Oser, c'était celui-là. Dans la plupart des cas, vous l'avez bien écrit. Il y a eu quelques erreurs, ce n'est pas grave. On va reprendre. Hein. Donc le premier, voilà. Premier, très très ouvert. Oser, d'accord. Oser, ça monte comme d'habitude. Le deuxième, et là je vais vous le montrer comme ça, c'était le B, avec le E qui descend un petit peu, oser, d'accord ? Le premier, encore une fois, oser, le deuxième, oser. Allez, on y va pour le numéro 3. Le numéro 3, ah oui, Soukania, on a fait les mêmes. Alors, Soukania, on va répéter les mêmes, et c'est ça qui est intéressant, même si on répète les mêmes, il y a toujours des erreurs, mystérieux. Allez, on y va avec, regardez, les deux ici. Attention, je vais juste le prononcer une seule fois. Dresser. Allez-y. Voilà, ça y est. Donc c'est un petit peu, à chaque fois, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les deux premiers, c'est un petit peu aléatoire, c'est pas très clair. Mais à partir du troisième, oui, c'est relativement clair. Donc je dis bravo pour la plupart d'entre vous. Nous étions à la recherche du premier ici, dressé, d'accord ? EZ, encore une fois, et dressé. Donc, on y va avec, regardez, voilà. Le premier A, donc là, vous allez le prononcer, dressé, c'était celui que nous cherchions. D'accord. Le deuxième B, ça encore une fois, c'est le E qui est ouvert. Dressait. D'accord. Premier dressé, deuxième dressait. D'accord. Fluffy, une petite chose importante, Fluffy, si vous regardez en haut, et en général c'est ce que je dis au début du cours, ouvrez un onglet avec un dictionnaire et cherchez les mots
que vous ne connaissez pas. Ça vous fera une liste et c'est comme ça que vous allez apprendre plus efficacement les nouveaux mots que nous allons utiliser. Je traduis quand c'est nécessaire. Quand nous faisons de la phonétique, là, je ne traduis pas. On se concentre sur la phonétique. C'est vraiment important. Allez, on continue avec le numéro 4. Numéro 4, on y va. Regardez, comme d'habitude, je vais uniquement le prononcer une seule fois. Et vous l'écrivez, bien sûr. Décidez. Allez-y. Alors Yossi, est-ce que dressait et prendrait se prononce de la même façon? Oui, pour la terminaison Yossi, oui. Hein. Si vous parlez du AIS, c'est exactement la même chose. Hein. Dressait, prendrait. Et même vous enlevez le S, hein, si c'est du futur simple, dressait AI, hein, ou dresserait ici plutôt, et prendrait AI, et là c'est la même prononciation. Hein. Alors, ça fait plaisir. Je vois que Julia apprécie la musique. Une musique un petit peu mystérieuse pour la phonétique, c'est toujours nécessaire. Nous étions, et je dis bravo, bravo, nous étions à la recherche du premier. Vous avez entendu. Alors, Max Veldran qui nous dit « Bonjour Vincent, j'entends décidait. » Eh bien, vous entendez parfaitement Max Veldran comme les autres, je dis bravo. Donc là c'était clair, c'est pas la peine de faire la distinction. On va continuer si vous voulez bien tout simplement avec le cinquième. Et là, pas d'erreur s'il vous plaît. Attention, je vais le lire une seule fois. Écrivez ce que vous entendez. Exporter. Allez-y. Alors, Gilberto nous rejoint. Bonjour Gilberto, participez s'il vous plaît. C'est la fin de notre exercice de phonétique et je dois dire que presque tout le monde, oui, on va dire tout le monde, je ferme les yeux, il y en a qui ont fait une petite erreur, mais ça n'est pas grave. Allez, ici c'était la forme B, en fait, exporter, encore une fois, le son et non pas, regardons ensemble le premier qui était très ouvert. Exportait, d'accord, mais ça n'était pas celui-là que nous avions. Nous avions ici exporté, d'accord, exportait, ouvert, exporté, le deuxième. Je vous dis bravo, 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 on va y arriver, mais bien sûr, comme il y a eu encore quelques petites erreurs, on va continuer lundi de toute façon. Vous allez me détester, mais je fais mon travail. Un film très intéressant. Je pense que peut-être que tout le monde l'a déjà vu. Je ne sais pas en tout cas. The Artist, un film assez intéressant que moi j'avais bien aimé. Je ne l'ai pas trouvé transcendantal, mais c'est vraiment sympathique. «
Allez, on attaque avec la vidéo du jour. Et la vidéo du jour, la voici. S'il vous plaît, une phrase pour me décrire ou me commenter cette vidéo. Merci beaucoup. Regardons, regardons. Chériline qui, alors déjà, qui dit, mais il n'y a pas de français parlé dans le film. Il y a du français écrit. Il y a du français écrit. Il faut avoir la version originale. La version originale, c'est écrit en français, bien évidemment. Alors, Fluffy qui nous dit, il est seul. Beau qui nous dit, c'est génial. Alors, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui est génial, Fluffy qui nous dit « avec aucun ami hein, ». N'oubliez pas, on ne va pas mettre de « dé ». Aucun ami. Learning languages, jouer tout seul, ce n'est pas amusant. C'est vrai. C'est vrai que c'est un petit peu triste quand même. Victoria Jacques, un homme se divertit pendant la pandémie. Eh oui. Il devrait cuisiner. À mon avis, il devrait cuisiner. C'est plus rigolo. Yesero, excusez-moi, j'ai des problèmes techniques aujourd'hui. Je suis très fâché avec la connexion. Pas de problème, Yesero. Ça arrive. Ça nous est tous arrivé. Ça m'est arrivé aussi. C'est comme ça. C'est la vie. Stardust qui dit, moi, quand je joue aux échecs... Et qui gagne Stardust? Luciana qui dit je suis suffisant. Boyen qui dit il est créatif. Yossi qui nous dit il joue aux échecs seul avec lui-même. Eh oui. Béatrice Tan qui nous dit dans la vie notre seul adversaire c'est nous-mêmes. Oh! Alors ça, il va falloir que je l'arrête. Oui. C'est vrai en plus. C'est vrai. Béatrice Tan, c'est la philosophe du jour. Parce que c'est vrai que c'est très très bien dit dans la vie. Notre seul adversaire, eh bien, c'est nous-mêmes. Merci beaucoup. Soukania qui nous dit, il joue aux échecs. Ice Cubes qui dit, mais il joue seul. Pauvre garçon. Yulia qui dit, c'est comme ça qu'on joue quand nous sommes seuls. Melissa Madrid qui dit, c'est mon fils aîné quand il s'ennuie. Sundar, il n'y a pas d'autre personne pour jouer avec lui, donc je joue seul. Je crois qu'il est intelligent. Mais il a l'air. Il a l'air. Tachi, il joue aux échecs tout seul. Eh oui. Yesero, le résultat de la pandémie. Un mec qui joue aux échecs tout seul et pas avec ses amis. Ben oui. Est-ce qu'on peut jouer par Zoom ou ça doit être possible, non? Mais il y a des jeux en plus. Des jeux, c'est pas pareil. Cosmina, il a besoin d'augmenter ses connexions neuro-neuronales. Alors le jeu d'échecs, c'est idéal pour ça. Cosmina, j'avais vu un documentaire qui expliquait que le jeu de Go était beaucoup plus stimulant pour l'augmentation des connexions neuro-neuronales, comme vous dites. Mais c'est vrai que les échecs, traditionnellement, hein, on dit que c'est bon pour ça. Cassandra, il essaye de jouer aux échecs par lui-même. Hillary qui dit, il joue aux échecs lui-même. Lynn, il est en train de jouer aux échecs contre lui-même. Fatima, il a gagné la partie
automatiquement Fatima. Elle est très intelligente. Chérinine le garçon a un trouble dissociatif de l'identité. Ça va se terminer. Ça va se terminer en thérapie, cette histoire, effectivement. Sur le divan et boum, 5 années de thérapie. Olga, il dit, il joue aux échecs comme il ment. Ah non, contre lui-même, pardon, excusez-moi. Alors, Denora, après avoir regardé Queen's Gambit, Two Chainz nous dit, c'est fou, il joue tout seul. Ben oui, c'est vrai que c'est un peu fou. Yann Arte, il joue aux échecs tout seul, il s'amuse chez lui. Très bien. Denise qui est là, il devrait avoir un plateau tournant. Mais non, Denise, c'est pour faire du sport en même temps. Ça, vous n'avez pas compris. Regardez-le. Il mélange les deux. Hein, le travail un petit peu cérébral et le travail physique. Et ça, c'est pas mal. Ice Cubes qui nous dit, oui, on peut jouer ensemble sur Zoom. Effectivement. Merci beaucoup. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer. Souvenez-vous que notre objectif, mon objectif personnel, c'est d'arriver à 100 likes. Ça reste raisonnable et normalement, avec le nombre de personnes qui viennent et qui s'en vont, ça devrait être tout à fait possible. Un film qui est incroyable, un film de Claude Lelouch. Si vous aimez Claude Lelouch comme moi, eh bien, c'est un grand classique, c'est La Bonne Année. Avec le beau Lino Ventura et la magnifique Françoise Fabian. Alors, comme on a commencé ça là, la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus d'ailleurs, c'était des dictées, mais qui sont à base de titres de Voici. Voici, c'est un magazine People, et donc c'est la possibilité pour vous de découvrir un petit peu l'actualité People en France, et on commence avec le premier. Alors, une toute petite seconde, si vous voulez bien. Voilà. Je vais vous lire ce titre deux fois. Je pense que ça pourrait être plus sympathique. César 2021. Corinne Maziero se met toute nue. Les internautes applaudissent. César 2021. Corinne Maziero se met toute nue, les internautes applaudissent. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, je commence à regarder. Donc, nous étions à la recherche, en fait, de quatre choses. Hein. La première chose, eh bien, c'est César. César, qu'est-ce que c'est que les Césars? Les Césars, c'est un petit peu l'équivalent des Oscars, mais en France. Donc, la soirée pendant laquelle on va récompenser le cinéma français. Et c'était Hier soir, c'était les Césars. Et hier soir, il s'est passé quelque chose d'assez spécial, puisqu'une personne, pour montrer son mécontentement, a décidé de se mettre complètement nu. Voilà. Donc, César, on l'écrit avec une majuscule, E accent aigu sur le E, et puis S-A-R. Ensuite, le verbe, c'est mettre.
C'est un verbe pronominal, c'est se mettre. Ici, la forme qui nous intéresse, c'est uniquement mais. Troisième personne du singulier, M-E-T. Toute nue. Ici, nue, vous devrez automatiquement le mettre eh bien, au féminin, puisque nous parlons de Corinne. Corinne est une femme, donc on devra mettre cet adjectif au féminin. N-U-E. On ne prononce pas le E final, mais il doit être là. Si c'était un homme, ce serait tout nu. T-O-U-T-N-U. Voilà, mais donc ici, effectivement, eh bien, c'est le féminin. Et la dernière chose, c'est un verbe. Verbe du deuxième groupe, c'est le verbe applaudir. Applaudir, et donc ici, on doit le conjuguer à la troisième personne du pluriel. Applaudissent. César 2021, Corinne Massiero se met toute nue, les internautes applaudissent. Voilà, c'est comme ça qu'on manifeste en France. Toutes les formes possibles de manifestation existent. Alors, ça continue, hein. César, alors oui, des fois on le met avec le S et des fois on ne le met pas. César 2021, on y va et on continue avec celui-là, regardez. En coulisses, Roselyne Bachelot n'a pas digéré les attaques de Marina Foïs. César 2021, en coulisses. Roselyne Bachelot n'a pas digéré les attaques de Marina Foïs. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Chérilyne, faisait-elle la promotion de la série française Nue ? C'est une série bizarre, hein. La série Nue, c'est une série assez mystérieuse. J'ai jamais vraiment accroché. Alors, regardons ensemble. Encore une fois, hein, ces titres sont directement tirés du magazine Voici. Et donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez tout simplement sur le site, je crois que c'est voici.fr, et vous regardez l'article. Alors, regardons. César 2021 en coulisses. Coulisses, eh bien ici, en général, on le met au pluriel et vous l'écrivez C-O-U. L-I-S-S-E-S. Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot est la ministre actuellement de la culture. Et donc, bien sûr, beaucoup critiquée parce que les salles de théâtre et les salles de cinéma sont toujours fermées. Tout est un petit peu à l'arrêt. Alors, Denis Pépin, S ou pas ? Moi, je mettrais S, mais les titres originaux, Denise, c'est dans Voici et ils n'ont pas mis de S. Donc, moi, je ne touche pas les titres originaux par principe. Digérer ensuite, eh bien, c'est tout simplement D-I-G-E, accent aigu, R-E. L'idée ici, ouais, je suis en train de regarder vos... Si vous avez les accents, ce serait idéal, bien sûr, mais bon, si vous ne les avez pas, ça doit être comme ça. Et puis les attaques, attaque ici, alors attaque est féminin, une attaque ici, c'est au pluriel, et donc vous l'écrivez A-T-T-A-Q-U-E-S. Marina Foïs est une actrice
mais également une réalisatrice. Et pendant la soirée, effectivement, il y a eu quelques petites piques, puisque c'était celle qui présentait la cérémonie. Donc, César 2021, en coulisses, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, n'a pas digéré, n'a pas apprécié les attaques de Marina Foïce. Voilà, allez, on continue. Evelyne Eve qui nous rejoint. Bonjour, bonjour. Alors l'autre chose dont les journaux People parlent, eh bien c'est Koh-Lanta. Koh-Lanta, on en a parlé, c'est cette émission de télé-réalité qui est un petit peu le Survivor français. Et donc on en parle puisque c'était la première émission, il me semble, vendredi dernier. Allez, on y va. Attention, je vous le lis, vous écrivez les mots qui manquent. Attention, attention. Luciana. Alors oui, c'était le jeu de Go qui est considéré comme beaucoup plus complexe que les échecs. On y va. Koh-Lanta, les armes secrètes. Denis Brognard, obligé d'interrompre l'épreuve d'immunité après la grosse chute d'Élodie. Koh-Lanta, les armes secrètes. Denis Brognard, obligé d'interrompre l'épreuve d'immunité après la grosse chute d'Élodie. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, regardons ensemble les trois mots qui manquaient. Je crois que cette année, si j'ai bien compris, parce que je n'ai pas regardé, mais Koh-Lanta se déroule pour la première fois, j'ai cru comprendre, en Polynésie française. Et ça, eh ben, c'est pas trop mal finalement. Alors, la première chose que nous cherchions, c'était le verbe. Le verbe, eh bien, c'est interrompre, qui est ici à l'infinitif, et vous l'écrivez I-N-T-E-R-R-O-M-P-R-E. Ensuite, c'est immunité. Alors, immunité, pour votre information, c'est féminin, une immunité. Et donc, il y a des épreuves d'immunité dans ce programme. Immunité, vous allez l'écrire I-M-M-U-N-I-T-E, accent aigu. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est une chute. Hein, quand vous allez tomber, vous allez chuter. Eh bien, chute, vous allez l'écrire C-H-U-T-E. Et donc, c'est féminin ici, vous le voyez, avec l'article là, et puis votre adjectif grosse, qui clairement est au féminin. Koh-Lanta, les armes secrètes. Denis Brognard, le présentateur de cette émission, obligé d'interrompre l'épreuve d'immunité après la grosse chute d'Élodie. Voilà. Il y a aussi qui dit, est-ce qu'il est possible qu'il existe un jeu plus compliqué que les échecs? Alors, moi, j'avais regardé aussi un documentaire et on expliquait que clairement, le jeu de Go était beaucoup plus complexe en termes de possibilités, finalement. Mais après, tout est discutable. Très, très bon documentaire. Je vous donnerai la référence.
Allez, on continue avec ces informations incroyables, ces informations sans lesquelles nous aurions du mal à vivre normalement. Attention, attention. Et là, nous parlons eh bien, d'une présentatrice de télé qui s'appelle Alessandra Sublet. Alessandra Sublet, très entourée en pleine crise sanitaire, les internautes s'insurgent. Alessandra Sublet, très entourée en pleine crise sanitaire, les internautes s'insurgent. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors Ice Cube qui dit les internautes, quel mot? Ben oui, je vous l'avais dit Ice Cube, ça avait dit internautes, c'était l'Académie française qui avait décidé, ils avaient considéré que c'était un petit peu comme astronaute, cosmonaute, internaute, et ben voilà. Alors regardons ensemble les trois choses que nous cherchions. La première chose, eh bien, c'est entouré, qui doit être bien sûr au féminin, puisque entouré est directement lié à Alessandra. Donc entouré, vous l'écrivez E-N-T-O-U-R-E, accent aigu, E pour le féminin, merci beaucoup. La deuxième chose, c'est un adjectif encore, et bien c'est sanitaire. Sanitaire, souvenez-vous, adjectif qui sera de toute façon au masculin ou au féminin, écrit de la même façon. S-A-N-I-T-A-I-R-E. Sanitaire. Et puis, la dernière chose, c'est un verbe. Le verbe, c'est s'insurger. D'accord ? Verbe régulier, premier groupe. Faites attention, c'est les verbes en G. Ils sont un petit peu difficiles pour nous. Mais ici, c'est la troisième personne du pluriel. C'est vraiment facile. I-N-S-U-R-G-E-N-T. S'insurge. Alessandra Sublet, très entourée, en pleine crise sanitaire, les internautes s'insurgent. Eh oui, des actualités incroyables. Allez, numéro 5, encore sur les Césars. Regardons ensemble le titre de voici. Regardez, écoutez. César 2021. Pourquoi Albert Dupontel ne sera pas présent malgré les nombreuses nominations de son film Adieu les cons? César 2021, pourquoi Albert Dupontel ne sera pas présent malgré les nombreuses nominations de son film Adieu les cons? Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, je vois que ça commence à arriver et donc je vous propose de regarder ensemble les trois mots que nous cherchions. La première chose, eh bien, c'était le verbe être. Le verbe être au futur simple. Futur simple,
Et ici, c'est bien évidemment la troisième personne du singulier, sera, S-E-R-A. Donc, ne sera. Ensuite, c'est malgré. Malgré, vous l'avez bien écrit. Malgré, vous l'écrivez M-A-L-G-R-E, accent aigu. Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est un adjectif et c'est nombreuse. Nombreuse, on doit le mettre au féminin et au féminin pluriel. Parce que vous voyez que nomination, c'est féminin, mais c'est surtout au pluriel. Donc, nombreuse, N-O-M-B-R-E-U-S-E-S. Les nombreuses. Allez, César 2021, pourquoi Albert Dupontel ne sera pas présent malgré les nombreuses nominations de son film Adieu les cons. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de cliquer sur like, allez-y, cliquez s'il vous plaît. Ça va être difficile, j'ai l'impression, mais il faut rester optimiste. Notre objectif, c'est 100 likes. Chériline qui nous dit « Internaute me rappelle Argonautes ». Eh bien oui, tout à fait, Jason et les Argonautes. Ah oui, c'est autre chose. Bien, Jason et les Argonautes hein, quand même. Hein. C'est peut-être ça l'origine aussi. Allez, à vous la parole. Oubliez-vous parfois de mettre votre masque? Ça m'est arrivé parfois, je dois dire. Parfois, je sors et j'oublie mon masque. J'oublie de le mettre et je me dis « Ah non, c'est pas vrai ». Est-ce que ça vous arrive aussi? Julien qui nous dit mais non monsieur, plus maintenant, c'est fini ça. YZ qui nous dit merci beaucoup vos cours m'ont aidé à l'école pour adultes ici au Québec, je vous en prie YZ, c'est mon plaisir. Soukania qui dit oui c'est très rare mais parfois c'est vrai. Alors le chien qui dit l'art n'accepte pas le masque. Oh, je suis pas sûr. Olga qui dit, ben oui, oui, ça m'arrive aussi d'oublier le masque. C'est terrible. On oublie le masque et les gens vous regardent. Oh, on a l'impression d'avoir commis un crime. Learning languages, ça ne m'arrive pas car je ne sors pas de ma maison. Mais vous pouvez mettre le masque à la maison juste pour le plaisir. Vouslat qui dit « Non, jamais !» Denora qui dit « C'est devenu une habitude. Ben, » Je sais, moi aussi, mais bon, parfois, pour aller chercher du sel. Fatima qui dit « Non, jamais !» Béatrice Tan qui dit « Ah ben oui, presque chaque fois quand je sors, car je n'y suis pas habitué. Pour la plupart du temps, je reste à la maison avec mes cours en ligne. Ben, » moi aussi, c'est pour ça, quand je sors, je dois me répéter en permanence, prends ton masque. Curiosidades, au début de la pandémie, oui, mais maintenant, le mettre le masque, c'est comme mettre une chemise. Ben oui, mais regardez, moi j'ai pas de chemise. Je n'ai pas de chemise, Curiosidades, c'est pour ça. Cosmina qui nous dit, j'oublie de mettre le masque seulement dans mes cauchemars.
D'ailleurs, je mets deux masques superposés pour être certaine que je suis bien protégée. Oh, donc les mêmes, alors pam, comme ça, superposés. Alors là, je dis bravo, bravo, bravo. Mais au niveau de la respiration, ça bloque complètement. Alors c'est non. Est-ce qu'on peut respirer avec deux masques? Hillary, oui, j'oublie parfois mon masque dans ma voiture. Cassandra, pas du tout. Je garde les masques partout. Par exemple, dans ma voiture, dans mon sac ou dans ma veste. Bah oui. Moi aussi, mais des fois j'oublie. Yesero, oui, tout le temps. Je me mets un rappel dans mon portable quand je sors. Eh ben voilà, Yesero. Yesero, ça, c'est une bonne chose. Ice Cubes, oui, parfois j'oublie. Ben oui. Kenzie qui nous dit, ah, when are the beginner's lessons? Kenzie, the beginner lessons will be on Monday. Monday at the same time. Meaning by that 1 hour before, hein? Because we've been covering 1 hour already, so it will be in English and in French. Stardust, jamais. Je porte toujours le masque quand je suis dehors ou quand la sonnette dring dring retentit. Victoria Jacques qui nous dit, ben oui, par erreur, mais je remarque vite, oui, moi aussi. Et on rentre en courant. Non, non, non. Il faut que je mette mon masque. Il y a aussi parfois, oui. Mais je me rappelle immédiatement quand je prends l'ascenseur et je... Ben voilà. Et je retourne à la maison pour le prendre. Ben oui. Stella qui nous rejoint. Bonjour Stella. Yann Arte. Oui, quand j'ai pris le bus, j'ai oublié le masque. Victoria Jacques, c'est la nouvelle exposition au Louvre. La pandémie. Stella qui nous dit non, jamais, parce que je suis médecin qui est responsable. Ah ben oui, automatiquement, il faut montrer l'exemple, Stella. Cosmina, non, je n'ai aucun problème avec la respiration, d'accord. Et deux, ça fait quand même beaucoup, non. Très bien, Yulia, j'ai gardé un ou deux masques dans mes poches et un autre dans mon sac. Eh ben voilà, Cheryline, jamais. Mettre un masque est comme une réponse conditionnée. Pavlovienne pour moi maintenant. Oui, mais Cherinine, c'est aussi dans votre profession. Donc, vous n'avez pas vraiment beaucoup de mérite, je pense. Allez, on avait commencé cet exercice. Quelle heure est-il? Bon, c'est des choses assez simples, mais c'est l'occasion de discuter. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Alors ici, nous sommes d'accord que nous avons deux possibilités, encore une fois. La première possibilité, il est 8h-20, qui est la moins formelle. Et la deuxième possibilité, eh bien, qui est la façon officielle d'annoncer l'heure, il est 19h40. On est d'accord, deux possibilités, il est 8h-20, il est 19h40. Attention, et la question c'est, que faites-vous à 19h40 le samedi? D'accord? Pas dans la semaine, le samedi précisément. En général, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, à 19h40, une petite phrase, s'il vous plaît.
Alors pour l'instant, vraiment, ça n'est pas raisonnable. 80 likes uniquement et mon plaisir serait d'arriver à 100 likes. Si vous n'avez pas encore cliqué, s'il vous plaît, c'est le moment ou jamais. Alors, Denora qui nous dit « Je lis ». Attention, Denora, je lis, L-I-S. Première personne du singulier. Béatrice Tan qui dit « Je me prépare pour commencer la séance de sport quotidienne ». Ça, c'est formidable. Soukania qui dit « J'attends pour assister au cours avec Vincent ». Oh, c'est gentil, merci. Cosmina qui dit « À 19h40 le samedi, je suis sous la douche ». Alors ça, j'aime bien la précision. La précision, c'est quelque chose qui permet d'avoir un monde structuré et un monde qui tient. Sundar, je discute avec mes amis sur WhatsApp. Melissa Madrid, je participe à une réunion sur Zoom. Learning Languages, à 19h40 le samedi, je regarde la télé. Ben voilà, tranquillement. Hilary, je fais la vaisselle après le dîner. Vouslat, je fais le cours de français avec Vincent. Yossi, je regarde un film à la télé, la chaîne TV5 Monde, qui commence exactement à 7h précise. Chériline, je fais du vélo autour du lac où je travaille. Cassandra qui nous dit « Je regarde un film ou des séries sur Netflix ». Fatima qui dit « Je prépare la pizza ». Oh, qu'est-ce que vous mettez, Fatima? Qu'est-ce que vous mettez sur la pizza? C'est délicieux, la pizza. La pizza, c'est formidable, mais qu'est-ce que vous mettez? Ça, ça m'intéresse. Victoria Jacques, je regarde un spectacle. Wheel of Fortune. La roue de la fortune. Ça existe encore, Victoria Jacques? Je me souviens de ce programme quand j'étais petit. Et je ne suis pas jeune, je l'avoue. Olga, manger quelque chose. Curiosité d'Adès, je regarde des séries, des films, lire un livre en buvant du café. Et toi? Ah, moi, je suis là, hein. Moi, je suis là, je suis avec... Ah non, non, 40... Ah non, je vais rendre la voiture à mon ami, Frédéric qui me l'a prêté. J'assiste à un cours de français. Yesero, à 7h, je fais du sport. Luciana, je dîne et je regarde des vidéos. Eh oui, et avant la quarantaine, j'allais au théâtre. Eh ben oui. Le théâtre, Luciana, quelque chose qui a pratiquement disparu, mais qui va revenir, soyons optimistes. Yann Arte, nous préparons le dîner pour le samedi soir. Très bien. Nassir, je rentre chez moi du travail. Eh ben voilà. Salar, be polite, Salar. D'accord? It's not because you don't really understand what I'm saying that you should be rude. It's not a good thing and your mother would be really ashamed of you. Ensuite, Victoria Jacques, oui, je veux perdre. Vous voulez participer à ce spectacle? Mais oui, peut-être que vous pouvez devenir millionnaire, Victoria Jacques, ce serait formidable. Allez, quelle heure est-il, s'il vous plaît? Alors, Monsieur Jipo, Montesanto nous rejoint. Bonjour, bonjour, participez. Dites-nous quelle heure il est dans un premier temps. C'est l'exercice. Ça n'est pas très difficile.
Alors là, on est d'accord qu'on n'a pas beaucoup de possibilités. Hein, la première, enfin l'unique possibilité, c'est il est 9h25. Hein, ça, vous l'avez bien écrit. Il est 9h25, pas de problème. Et regardons ensemble. Et la question, c'est bien sûr, que faites-vous à 9h25? Attention, le dimanche. Je ne parle pas du samedi, je ne parle pas des jours de la semaine, je parle uniquement du dimanche. Qu'est-ce que vous faites en général à 9h25 du matin? Allez-y. Béatrice Tad, il est presque 9h30. Ah, ça, c'est la bonne technique, hein. Alors, je regarde. Stardust qui nous dit à 9h25, principalement à l'extérieur, et je fais une promenade. Ah ben ça, c'est chouette de faire des promenades à l'extérieur quand c'est possible. Luciana, je me prépare pour aller à la messe. Hillary qui nous dit, j'apprends le français avec Vincent. Donalov qui nous dit, dimanche, grasse matinée pour moi. Ah, on avait discuté de la grasse matinée. Il y a des adeptes et il y en a qui n'aiment pas. Donalov Doral nous dit grasse matinée pour le dimanche et ça, ça doit se respecter. Learning Languages, à cette heure-ci, je ne fais rien du tout. Voilà, inactivité totale, et ça c'est pas mal aussi. Vouslat, je bois mon café. Fatima, je fais une promenade. Evelyne qui nous dit, je vais à l'église et plus tard, je rends visite à mon béguin, donc votre petit ami. Yann Arte, je sors le dimanche matin, et ça c'est bien. Yossi, je fais une promenade s'il ne pleut pas. Ben oui, bien sûr. Sundar, j'ai participé au cours avec toi. Pouja qui nous dit, je prépare le petit déjeuner pour ma famille. Chériline qui nous dit, je rattrape mon sommeil. Chériline, elle dort, elle fait la grasse matinée le dimanche. Maintenant, nous le savons. Mélissa Madrid, je m'habille pour aller à l'église, même si en ce moment, on fait tout par Zoom. Ben oui. Soukania qui dit, oui, c'est dimanche, mais malheureusement, je travaille à 7 heures. Je me prépare pour donner des cours particuliers. Béatrice Tan qui dit, soit je dors encore, soit je prends le petit déjeuner. Voilà. Olga qui nous dit, je bois quelque chose. Cosmina qui dit, le dimanche à 9h25, j'ai fini le petit déjeuner et je suis en train de lire les nouvelles. Cassandra qui dit, je vais à un parc pour me promener. Eh oui, ça c'est sympa aussi. Yessero qui dit, je lis des romans. Victoria Jacques, à ce moment-là, sous la couette, je décide si je veux sortir de lit ou pas. Juan qui nous dit je reste pendant toute la journée, très bien. Curiosidades qui dit profiter d'une nouvelle journée, contempler la nature et le ciel. Ben ça c'est pas mal effectivement. Athée qui nous dit je dors et je vois des rêves. Eh bien écoutez, merci beaucoup et suivez le conseil de Learning Languages qui dit il faut cliquer. Il faut cliquer, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Mon objectif, c'est 100 likes, sinon je vais être triste. Je vais être très très triste et on n'a pas envie d'être triste. Demain, c'est dimanche. Allez, numéro 3, quelle heure est-il, s'il vous plaît ?
Alors ici, effectivement, deux possibilités. Il est 2h15. Bien sûr, vous pouvez préciser de l'après-midi. Ou alors, il est 14h15. Hein. Donc, les deux possibilités sont acceptables. La première est bien sûr moins formelle. Il est 2h15. Il est 2h15 de l'après-midi. La deuxième est beaucoup plus officielle. Il est 14h15. Et ma question, c'est bien sûr, que faites-vous à cette heure-là le lundi? Attention, je ne parle pas du samedi, je ne parle pas du dimanche, je parle du lundi. Que faites-vous en général à 14h15 le lundi? Allez-y. Allez, soyons motivés, il nous reste 11 likes pour arriver au 100. Je pense que c'est possible parce que je suis d'une nature optimiste. Je me dis, c'est possible Vincent, on peut arriver à 100 likes. Ça semble difficile, n'hésitez pas à cliquer si vous n'avez pas encore cliqué. Alors, on regarde Cosminab et qui nous dit « Effectivement, mais monsieur, le lundi à cette heure-là, je suis encore au travail. » Ensuite, Luciana qui nous dit « Je travaille, tout simplement. » Attention, Luciana, il faut conjuguer « Soyons généreux » avec le verbe « travailler » T-R-A-V-A-I-L-L-E. On le conjugue, notre verbe, s'il vous plaît. Béatrice qui dit « ça dépend ». Par exemple, lundi prochain, je serai en voiture pour aller chez le dentiste à 15h. Saluez votre dentiste de ma part. Ah ben, mais donc pas de masque. C'est pas chez le dentiste, c'est pas possible sans masque. Victoria Jacques, Hilary qui nous dit « je travaille ». Victoria Jacques qui nous dit « je déjeune habituellement ou je regarde une émission ». Yossi, chez nous, c'est plus ou moins le temps pour dîner. Olga qui nous dit « peut-être manger le repas ». Denora qui dit « je prépare un déjeuner ». Stardust qui dit « j'essaye de dormir pendant 30 minutes ». Paf, une petite sieste. Oui, pas plus, hein. 30 minutes, c'est déjà pas mal. Moi, le problème, quand je commence à faire une sieste, je peux pas m'arrêter. Et après, je me réveille et je suis complètement déstabilisé. Lynn, à 7 heures, j'aimerais faire une randonnée. Curiosidades, revoir mes notes et regarder un film documentaire. Je dis bravo, j'adore les documentaires aussi. Soukania qui nous dit « je travaille, mais en ce moment, je prends une petite pause ben, ». C'est normal. Pouja qui nous dit « je me réveille ». Un adepte de la grasse matinée. Sundar, je lis ma leçon pour l'examen. Luciana qui dit « je travaille », qui a corrigé. Merci beaucoup, Luciana. Cheryline qui dit « je fais de la recherche ». Eh ben oui, ou de l'enseignement. Cassandra qui dit « je travaille et j'étudie la publicité et le marketing ». Mélissa Madrid, je regarde la quotidienne sur YouTube. Fatima qui dit « je lis une histoire de Balzac, Ferragus ». Waouh, Balzac, c'est intéressant. C'est discutable, mais c'est intéressant. Yann Arte, j'écoute la programmation française. Ice Cubes qui dit « moi aussi, je veux être une des personnes qui mangent ». Oui, Ice Cubes, hein. Deux catégories. Julia qui a disparu. Julia nous avait dit cette chose incroyable. Il y a deux catégories, les gens qui travaillent et les gens qui mangent. Béatrice Tan, oui, chez Léondis, on peut sourire. Très bien. Et vous, Stan, qui dit « je regarde la télé en buvant du café ».
Allez, quelle heure est-il, s'il vous plaît? Alors, je vois que ça commence à arriver. Je vois des choses assez intéressantes, pas toujours très correctes. Alors, regardez. Première possibilité, il est minuit moins 5. Donc ça, nous sommes d'accord que c'est la forme qui est finalement la plus informelle, la moins officielle. La deuxième possibilité, qui est la plus officielle, il est 23h55. Donc première possibilité, bien qu'il ait la possibilité la plus informelle, il est minuit moins 5. Deuxième possibilité, il est 23h55. Et ma question est bien sûr, attention, nous parlons du vendredi. Nous ne parlons plus du lundi, nous ne parlons plus du samedi, nous ne parlons pas du dimanche, nous parlons du vendredi. Que faites-vous à 23h55 le vendredi? Allez-y, s'il vous plaît. Alors, nous nous rapprochons de notre objectif. Il nous manque 8. 8 likes pour arriver à 100. N'hésitez pas à cliquer sur le like, s'il vous plaît. Ce serait très, très gentil. Alors on regarde Cosmina qui nous dit, mais le vendredi, comme tous les jours monsieur, à 7h, je dors. Stardust qui nous dit, c'est le temps de travailler pour la plupart du temps. Et oui, Stardust travaille la nuit, et là on peut dire, bravo. Fatima qui dit, je vais me coucher. Hilary qui nous dit, je me couche à cette heure-là. Denora qui dit au revoir tout le monde, au revoir Denora, à bientôt. Soukania qui nous dit à 7h je lis un roman avant de dormir. Athée qui nous dit le vendredi soir je regarde beaucoup de films français et je dis bravo. Cassandra qui dit qu'elle dort. Ah, j'imagine, je ne suis pas un spécialiste des émojis, vous l'avez compris, mais je crois que ça veut dire je dors. Vouslat qui dit « Je lis mes livres ». Mélissa Madrid qui dit « Je regarde un film ». Olga qui nous dit « Je regarde la télé avant de dormir ». Yossi qui dit « Ça dépend, parfois je vais me coucher ou j'apprends le français ». Yossa qui nous dit, Yulia qui nous dit « 100 likes moins 7 ». Non, 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 moi j'envoie 8. 8 pour moi. Ice Cubes, parfois je dors, regardons un film. Parfois je participe à la réunion de polyglottes sur Zoom. Cosmina qui dit au revoir à Denora parce que Cosmina est très polie. Luciana, c'est comme moi. J'essaye de regarder des vidéos, mais je dors sur le canapé. À moi, il y a des films, certains films ou certaines séries. Je suis persuadé que si je veux m'endormir, je mets juste et après, pouf, je dors comme un petit bébé. Yann Arte qui dit « Je dors en général ». Denora, je ne pars pas encore. D'accord. C'était pas clair, Denora. Pouja qui dit « Je dors à cette heure-là le vendredi ». Chériline, généralement des recherches. Si j'ai de la chance, je ne fais
que lire, écrire et analyser des données, sinon je suis dans un laboratoire. Chérie-Line, il faut sortir un petit peu. Il faut profiter de la vie, Chérie-Line. Le travail, les recherches, les études, c'est très important. Mais il faut un tout petit peu respirer et profiter de la vie. Cinquième. Allez, quelle heure est-il, s'il vous plaît? Sundar nous dit au revoir Sundar, et à bientôt. Chérie-Line, donnez-moi son adresse email. Votre directrice de thèse doit être quelqu'un qui doit comprendre que nous sommes tous des êtres humains et nous avons besoin d'autre chose que de travailler, d'étudier ou d'être dans le laboratoire. Deux possibilités ici. Il est 7h-25. Ça, encore une fois, eh bien, c'est la solution qu'on va utiliser d'une façon informelle, d'une façon normale. La façon officielle, c'est il est 18h35. Et ma question est bien sûr, que faites-vous en général à 18h35 le samedi? Le samedi, qu'est-ce que vous faites à 18h35? Allez-y. Et oui, c'est Laurent. Laurent nous fait l'honneur de sa visite. Et Laurent nous dit comme ça, hein, tout simplement qu'à 18h35, le samedi, il sort du sauna. Eh bien oui, c'est un homme très réglé, c'est un homme qui aime faire les choses ponctuellement. Allez, merci beaucoup Laurent. Cosmina qui nous dit à 18h35 le samedi, c'est-à-dire en ce moment, je suis avec vous, c'est bien gentil. Donc Laurent doit être tout nu et il sort du sauna. Il faut mettre une serviette, Laurent, s'il te plaît. Hilary qui dit, je prends le dîner. Ice Cubes, je prépare quelque chose à dîner. Denora qui dit, je regarde les nouvelles du monde. Mélissa qui nous dit, je regarde une série en français avec mes enfants. Learning Languages qui nous dit, il est 6h35, très bien. Ensuite, Soukania qui nous dit, je rentre chez moi presque à 7h. Tous les samedis. Chérie-Line qui dit, je fais du vélo autour du lac. Béatrice Tan qui nous dit, maintenant c'est 18h34, alors j'ai le droit de dire que je participe à votre cours de français. Avancez, vous avez le droit, Béatrice Tan. LJ, je cuisine pour ma famille et je prends mon dîner. Yulia, chaque samedi à 18h35, j'essaye d'être formidable. Et c'est difficile. On essaye tous d'être formidable. Mais c'est vrai que c'est pas facile du
tout, c'est pas facile du tout. Olga qui nous dit probablement marcher sur les, dans les rues. Yossi qui nous dit on regarde la télé et on fait un cours avec Vincent. Curiosidades qui nous dit je regarde des séries, des films et je joue à des jeux vidéo et je lis des bandes dessinées. Vous, Slade, je participe au cours avec Vincent. Luciana, je me douche et ensuite je prends mon dîner et je regarde quelques vidéos. Cassandra qui dit probablement que je mangerai quelque chose. Pouja qui nous dit je fais une promenade. Fatima qui dit je prépare ma pizza encore. Tomates et anchois. C'est tout? Un petit peu plus quand même, Fatima. Un petit peu plus de choses là, non? Alors, Lynn, à cette heure-là, j'aurais regardé le match de hockey sur glace. Athée, le samedi à cette heure-là, j'étudie le français avec vous. Stardust, je nourris mes chats à cette heure de la nuit. Et puis, je regarde le football. Julia qui dit, peut-être que Laurent n'a rien à cacher. Ah ben Laurent, il va au sauna, mais il est tout habillé, un homme en costume qui prend son sauna, jamais vu ça avant de rencontrer Laurent. Allez, les pronoms, parce qu'on est obligé de faire un petit peu quand même de grammaire, vous le savez bien. L'idée ici, c'est de voir le verbe dire à, qui est construit avec un complément d'objet direct. Et donc, bien sûr, on va essayer d'utiliser des pronoms. Je vais vous donner, regardons ensemble. Ah oui, pardon, excusez-moi. L'idée, c'est de le faire au passé composé ici. Regardez la première. Donc, vous allez me construire la traduction en incluant, bien sûr, le pronom complément d'objet indirect. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, voilà, donc celui-là, ça va être une formalité, on est d'accord. Elle m'a dit, faites attention, Learning Languages, ici c'est vraiment l'idée d'utiliser le pronom complément d'objet indirect, c'est-à-dire elle a dit, et vous mettez le me, donc elle me, on met l'apostrophe, a dit. Elle m'a dit, effectivement, Béatrice Tan, encore 5 likes. Moi, j'en vois 6, mais bon, je vous fais confiance. Allez, s'il vous plaît, numéro 2, on continue dans la même logique. C'est des exercices systématiques. She told you. Ici, s'il vous plaît, le singulier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Victoria Jacques? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Victoria Jacques n'est pas entièrement avec nous, puisqu'elle a mis mystérieusement un beau S. Alors, elle t'a dit, c'est vrai que c'est joli, Victoria Jacques avec un S, mais il ne doit absolument pas être là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'on doit contacter l'Académie française pour changer les règles de grammaire parce que Victoria Jacques le voudrait? Malheureusement, non. Elle t'a dit, donc ici l'idée c'est effectivement le « elle »,
le pronom te, et puis après l'apostrophe, bien sûr, et a dit. A doit être à la troisième personne du singulier, juste le a et pas de s. Faites attention, c'est une erreur assez classique. Alors faites attention, oui effectivement, là ici notre pronom, hein, souvenez-vous, complément d'objet indirect, il y a juste un seul pronom pour le masculin ou pour le féminin et c'est lui, d'accord? Et lui, vous gardez ces deux magnifiques voyelles U et I, on ne met pas d'apostrophe, non, non, non. Elle, lui... a dit. Elle, lui, a dit. Et maintenant, regardons ensemble. J'aimerais bien voir comment vous me traduisez ça, s'il vous plaît. Et je dois dire que je vais être malheureux parce que je vois qu'il n'y a que 96 likes. Et bien sûr, mon objectif, c'était d'arriver à 100 likes. Et comme je pense que ce sera notre dernier exercice, malheureusement, nous ne pourrons pas les faire. Et ça, c'est une sacrée déception. Alors, nous sommes d'accord, j'aime bien, Chériline, se référer à la réponse précédente. Eh bien oui, nous sommes d'accord que c'est exactement la même chose. C'était juste pour vérifier, c'était juste pour être sûr que c'est clair pour vous, que ce soit masculin ou que ce soit féminin, ce sera le même pronom, pronom complément d'objet indirect, lui masculin, lui féminin. Nous sommes d'accord. Allez, si on continue avec le cinquième. Allez-y, traduisez-moi ça, s'il vous plaît. Alors, Yossi qui demande, est-ce qu'on peut dire elle a dit à moi? Non. La réponse est très très simple, non monsieur. Donc, ici, elle nous a dit, bah écoutez, pour le moment, tout est clair. On continue avec le sixième, c'est le pluriel, nous sommes d'accord. Deuxième personne du pluriel, allez-y s'il vous plaît.
Voilà, donc là, c'est relativement clair maintenant. C'est une formalité, Victoria Jacques. Non, regardez, Victoria Jacques, c'est dit, D-I-T. Ah, je ne vais pas appuyer sur le non. Allez, on continue avec le septième, s'il vous plaît. Allez, et oui, c'était « Elle leur a dit ». Alors, les pronoms, juste pour les répéter encore une fois, c'est « me »,« te »,« lui », masculin, féminin, « nous », »,« vous », et finalement « leur ». Voilà, merci beaucoup. Un film incroyable avec Jacques Brel, Les risques du métier. Ça n'est pas joyeux, mais c'est vraiment, vraiment un grand film. Jacques Brel qui est un chanteur, qui est un interprète, mais qui là est un acteur. Il a fait quelques films et il est vraiment très, très bon dans ce film. Curiosité, non. Ici, c'est complément d'objet indirect et donc c'est leur, ça n'est pas les. Les curiosidades, c'est pour le complément d'objet direct. Ici, c'était complément d'objet indirect, me, te, lui, nous, vous, leur. Allez, on se quitte la semaine prochaine, ce sera exactement la même heure, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et puis demain, eh bien, je me repose tranquillement. Je vous propose, si vous voulez bien, de nous promener encore une fois, comme c'était le cas cette semaine, dans les rues de cette magnifique ville, Lyon. Au revoir à tous, bon dimanche et à bientôt. Au revoir.
Mmh.